J'ai extrêmement peur. Laissez-moi! J'ai vraiment peur! Et bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Mkolo, comment allez-vous les amis? Les amis, ça fait deux fois que je dis les amis en début de vidéo, attends, le mec il force de ouf. J'espère que vous êtes tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour des découvertes de vos maps Minecraft. Et oui, alors... Oh, ça y est, tu refais les maps Minecraft de tes abonnés. Bah oui, mais il faut m'en proposer, sinon je peux pas les faire. Donc là, les amis, on a Happy Kurta, enfin Happy Fun, Kidayam et Noxy qui m'ont refait, enfin qui m'ont renvoyé du coup une nouvelle map qu'ils ont réalisée. Ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs années même, les amis, que ces abonnés fidèles font des maps et me les envoient et que je les teste. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui. On se retrouve sur la map Endless Hospitals. Voilà, c'est hospital tout court. Voilà, donc un hôpital, une sorte d'hôpital abandonné apparemment. Vous allez voir, c'est une map un petit peu horreur. C'est pour ça que j'ai commencé par moi. Deux parenthèses avant de commencer la vidéo. La casquette, c'est pour cacher comme je peux ma coupe de cheveux, hein, hashtag pas de coiffeur, hashtag coronavirus. Et deuxièmement, je voulais dire un truc. Oui, si vous voulez m'envoyer vos maps Minecraft que vous avez créé sur PC uniquement, eh bien les amis, ça se passe sur mon site mkolo.fr. C'est le premier lien dans la description. Vous allez dans l'onglet contact, vous descendez de la page contact et vous avez un formulaire pour m'envoyer eh bien votre map tout simplement. C'est tout aussi simple que ça. Donc on est parti les amis pour cette map un petit peu horreur, un petit peu énigme, qui est aussi un petit peu une map rage apparemment. Ils ont fait un ressource pack pour la map justement, donc c'est plutôt cool. Donc on est parti, on a un petit lit, ça commence, grosse ambiance hein. Alors apparemment donc c'est un hôpital où il y a des monstres qui se font appeler des chirurgiens qui veulent notre peau. Voilà, et on devra réactiver les courants pour allumer l'étage de l'hôpital et accéder à la prochaine salle. Bon bref, le but du jeu ça va être de survivre évidemment. Est-ce que donc je peux pas dormir dans ce lit? Et bah c'est parti, on va cliquer sur le bouton let's go. Alors attends, évidemment chat settings, attendez, il faut que j'augmente la taille. Voilà. Bonjour patient numéro 36. Si le protocole d'effacement de souvenirs s'est bien déroulé, vous ne vous souvenez pas de pourquoi vous êtes ici. Laissez-moi un peu vous éclairer. Vous avez été retrouvé mourant au bord de la route par notre équipe de recherche et vous faites l'objet de tests d'une anomalie. Il existe en ce monde une force impossible à comprendre et à expliquer, et quelque chose lie depuis la nuit des temps notre monde avec un autre monde inconnu. Le but de notre corporation est de trouver ces anomalies et de les étudier pour les comprendre. L'anomalie dans laquelle vous vous trouvez s'appelle Endless Hospital. N'oubliez surtout pas ceci. Lorsque vous verrez un long tunnel routier fermé par des barreaux, vous serez libéré. Ceci sera la première et la dernière fois que vous entendrez ma voix. Bonne chance. Waouh! Qui a compris, lève la main. Allez, bah c'est parti. C'est parti, mon kiki. S'il y a des screamers, par contre, je suis pas prêt. Hein, autant vous le dire. Ok, donc déjà, on part sur un petit labyrinthe à sens unique. Je n'aime pas ça du tout. En fait je suis pas du tout dans un mood où je suis prêt à faire une map horreur, donc je vais me chier dessus. Bonjour. Ah oui. Hey, 36. Ah ouais, regardez, c'est moi. Moi je suis le patient numéro 36. Ok, donc j'étais apparemment retrouvé sur le bord d'une route hein, et donc je suis dans un hôpital. Oh. Ok. Alors y a des bruits, qui me font peur. Ok. Alors où c'est qu'on va? Non mais il y a des screamers, c'est sûr. Ah. Porte de secours, d'accord. Alors je peux pas ouvrir cette porte. Alors désolé les amis, pardon, je pense qu'on voit pas très bien. Je peux pas ouvrir les portes. Ah, il y a un truc en haut. Non. Il doit y avoir un bouton quelque part. Je peux pas ouvrir ces portes. Ah mais je suis con, je peux passer par la porte de secours. Ah ok, attendez. C'est aussi une map un peu puzzle, hein, donc voilà. Nickel. Ensuite. Là on peut pas y aller. J'imagine qu'il y a aussi un bouton appuyé. Attendez. Ouais, c'est bon. C'est une sorte de parcours à mon avis. Enfin de parcours. Comment je fais? Ah, le bouton il est... Ah, c'est un levier qui était caché dans un coffre. Hop, voilà. Bonjour. Ah, il y a des méchants. Il y a des méchants. J'aime pas ça. Ça, je peux pas l'ouvrir. Ça, je peux l'ouvrir, ça, normalement. Voilà. J'ai compris. Bonjour. Ok, j'active un levier. Ah! Ok, je viens de rétablir le courant. Ah bah, on voit quand même beaucoup mieux, les amis. D'accord, donc là, je viens de rétablir le courant. Donc, toutes les portes sont ouvertes.
Là c'est bloqué mais on s'en fout. Puisque on peut aller là. Hola, bonjour. Alors ça m'a fait un petit peu peur. Hein. Désolé hein, pour ce manque d'animation. Ah oui, c'est ça qui fait les bips, je me disais bien. On est dans un hôpital. Désolé pour ce manque d'animation. Je suis vraiment pas l'un des mecs les plus sereins. Eh mais ça fait vraiment peur hein. J'ose pas y aller en fait, vous allez me prendre pour un connard, je peux pas appuyer sur ce bouton. Bon faut foncer hein, j'imagine que c'est normal. Wesh moi c'est Mona Lisa, j'ai un masque, tu vas faire quoi? Je me protège du coronavirus pendant qu'Emcolo est au mou de la nuit. Je sais pas où je dois aller. Je sais pas où je dois aller. J'ai très peur. Y a un parcours là. Parfait. Attends. Moi vous savez, dès qu'il y a du parcours, je suis content parce que je sais que le mec il me suivra pas déjà. Ok. Ah putain, faut activer un truc d'abord. Là y'a rien à faire avec ça. Oh putain. Fous de ma gueule. Y avait une shulker avec un seau d'eau, frère. N'importe quoi. C'est une blague, je suis sûr on peut faire. Ah non, on peut pas faire n'importe quoi avec. On peut pas le poser. Putain, faut le poser où alors? 3 weeks later. Ah, alors j'ai Happy Kurta, donc un des créateurs de la map, à savoir Happy Fun, qui a dit qu'il faut mettre l'eau dans un chaudron. Bah t'es bien mignon mon copain. Mais y a pas de chaudron frère. Il m'a dit dans le premier couloir, j'ai pas vu de chaudron. Mec, y a pas de chaudron. Oh! Y'a pas de chaudron, mec! Est-ce que vous voyez un chaudron? Ah là, y'a un chaudron! Attendez, je vais le faire à distance. Je l'ai fait. Conduit ouvert dans la salle principale. Oh, merci, Happy Fun! Et fallait le savoir quand même! Fallait le savoir qu'il y avait un chaudron quand même, hein! Franchement, ah ouais, là c'est ouvert en haut, ça y est, on peut enfin avancer. Moi, bon, les amis, depuis le temps que je suis en PLS, que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, bon. Alors ensuite, c'est compliqué. Et là on part sur un labyrinthe et j'ai peur. Alors à gauche, ah bah c'est bon, y a rien, c'est pas compliqué. Donc on va à droite. Et normalement j'ai raison, ça va sortir là-bas. Voilà, c'est ce que je pensais. Ascenseur. Un ascenseur. Bah vas-y hein, go ascenseur. What? Putain, mais si je suis bloqué à chaque fois, je comprends rien. Ah, attends, déjà, ça a ouvert les portes. Ça peut être... Ah, bah voilà, c'est ça, l'ascenseur. Ok. Ok. Donc là, je viens de monter, c'est ça? Ou je viens de descendre, je sais pas. J'en ai aucune idée. Ok. Ça fait peur. Oh, et là, je pourrais pas revenir. Oh, gros. Je vais mettre dans une sauce. On sent. Alors là, il y a un truc. Un bouton. Que je dois mettre là. Et là, je dois vite aller. J'ai réussi. Je suis un monstre. Waouh, je sais pas où aller. Ah. Arrête!
Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Laisse-moi. Oh, il me follow. Je suis mort. Oh putain, ils me font peur les chirurgiens. Pourquoi les chirurgiens, ils sont vus comme des monstres d'ailleurs? Ils sont gentils les chirurgiens là. Pourquoi ils nous font faire ça? Ouais, mais tu veux faire comment là? L'outil, il est en train de garder l'entrée, frère. Bah ouais, mon pote. Bah ouais, il est là-bas, frère. Non, mais c'est une blague. Gros, tu vas pas faire ta pleureuse devant ta communauté. T'étonnes pas si ta copine va te quitter. Tu n'exprimes aucune forme de virilité. Les seuls poils que tu as sont sur tes tétés. Ah mais je respawn juste à côté, mon pote. J'ai respawn juste à côté. Mais c'est méga flippant. En fait. Ok. Bon, j'ai compris la map là. J'ai compris le fonctionnement. Mais ça m'a l'air impossible à faire. Faudrait le contourner, mais je vois pas comment. Ah, à chaque fois il retourne. Yo! Ah! Il me poursuit par derrière! Non, j'y étais. Ah! Mais laissez-moi maintenant. Laissez-moi. J'ai extrêmement peur. Laissez-moi. Putain, j'ai vraiment peur. Oh ça, par contre ça me fait vraiment peur cette notion de se faire poursuivre tout le temps. Surtout que là je suis bloqué, il me bloque le passage. Il va me bloquer le passage. Regardez, il me bloque le passage. Mais tu veux faire comment? Et il va plus vite que moi. Non mais c'est pas possible. Il me bloque. Putain mais c'est pas possible. Hello, je suis là, hein. Yo. Yo. Avec mon poteau. T'es un peu couillon, toi? Ouais, j'y vais. Mais je peux pas y aller. Vas-y. Allez, c'est bon, allez, hop, casse-toi. Allez, ça m'a saoulé, c'est bon, allez. Bon, allez. Bon, déjà, premièrement, je m'excuse sincèrement à vous, les viewers, pour ce manque d'animation. Alors voilà, vous avez devant vous le M-Colo flippé, hein, très clairement. Je suis désolé, j'espère tout de même que ça vous a plu. Et, enfin, vraiment, j'allais vous dire un truc. Est-ce que vous enfin, ça y est, je bégaye. En fait, j'allais vous poser la question, est-ce que ça vous intéresserait de voir des vidéos sur des jeux d'horreur? Mais en fait, non, je vais même pas vous poser la question. Je suis incapable de vous faire des vidéos sur des jeux d'horreur. C'est impossible. Je n'y arrive pas. Genre, c'est mort. Vous voyez, là, comment je me... Non, c'est pas possible. Et puis, je m'excuse d'une autre part, du coup, aux auteurs de la map, du coup, que je respecte et que j'ai toujours kiffé leur map. Là, pour le coup, je suis un petit peu... Alors, je suis pas déçu. Par contre, ouais, non, parce que c'est super bien fait. Là, ça a marché, hein. Moi, pour que j'ai peur sur Minecraft... Alors, voilà, des fois, je me fais surprendre, je crie, ça m'effraie. Il y a une différence entre avoir peur et être effrayé. Là, pour le coup, j'ai... Réellement il y a la pression quand même hein. Ça me fait quand même pas mal peur. Du coup bravo à ça, enfin bravo pour ça, mais par contre j'ai l'impression que c'est pas vraiment faisable hein. Vraiment t'es bloqué quoi, il te one shot hein. Mais par contre ouais, niveau ambiance, niveau ça fait flipper. Alors j'ose même pas imaginer la suite de la map. Donc je vais pas pouvoir, c'est pas possible. Si les auteurs, du coup, si vous êtes d'accord, les copains, vous mettez en commentaire si vous voulez, si vous autorisez que les viewers puissent jouer à la map, parce que du coup, en fait, j'ai pas compris si la map elle est publique ou pas. J'imagine que oui, mais je vous laisse mettre en commentaire si jamais vous mettez le lien de téléchargement.
Putain, arrête de bégayer. Je mettrai, enfin, vous mettrez les auteurs de la map, vous mettez en description, en commentaire, si vous voulez, le lien de téléchargement de la map. J'arrête tout de suite cette vidéo. Moi, j'épinglerai votre commentaire, comme ça, les gens pourront télécharger la map si vous l'autorisez, s'ils sont chauds. Du coup, voilà, on s'en arrête là, les amis. Stop, c'est fini. Pouce bleu, s'il vous plaît, pour me remettre bien, parce que là, c'est pas possible. Bravo en tout cas pour cette map. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.